السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. هذا بودكاست جديد اللي هو اسمه بودكاست ساينس اند كولتشر. هذا ما كان محبيناش كتبوا بزاف في الاسم. دونك بودكاست ساينس اند كولتشر اللي حيهضر على العلم وعلى الثقافة. اللي راحين نهضروا مع ناس على العلم وعلى الثقافة. راحين نعرضوا ناس اللي حنايا on va juger باللي sont intéressants. هذا ما كان جوست intéressant. ماشي بزاف يكونوا مشهورين, ماشي بزاف يكونوا معروفين, ماشي بزاف يكون عندهم دو لانفلونس, مي سورتو تكون عندهم حكاية يحكوها لنا, وحكاية تقدر تأثر علينا, يقدروا يأثروا علينا بها. رانا حين تاني نقصروا معهم على الثقافة وعلى العلم في الجزائر خاصة وفي العالم عامة. اسمي رحماني محمد أمين. Je suis ingénieur, en même temps prof, fi Ain Center, on parle l'anglais et le français. Et Rahoma Maya, Zouj Bnat Narfam, c'est des artistes, et en même temps, ils ont d'autres diplômes. Elles font beaucoup de choses. On va les voir avec eux. Nous allons commencer. Nour, Nour, vous êtes là. Salut, merci pour l'invitation. Yissel Makna. Alhamdulillah. Nour, pour commencer aussi, Rahim Ana Radia. Je t'en prie, Radia. Ok. Alors, vous savez, Hindero, à chaque fois que Jilina a un invité, demandez-lui, il a dit, 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 Ouais, j'adore tout ce qui est artistique. J'aime le fun, j'aime la photographie. Et à la base, je suis artiste peintre autodidacte. D'accord. Je travaille beaucoup plus sur l'art abstrait, le surréalisme. Donc, et j'ai fait beaucoup de recherches sur les symboles africains. Donc, j'adore tout ce qui est motif, décoration africaine. D'accord. Donc, symbole, mais en tant que chose, les gens y arrivent. Exactement, voilà. Et en même temps, chose qui touche notre identité algérienne, africaine, arabe, okay. Donc à travers mon style artistique, j'aime les randonnées bien sûr, d'accord. La photographie, surtout la photographie urbaine. J'adore par exemple l'organisation de différents types d'événements. Donc à la gare Nord, où j'ai voilà. Et Nord, avant tout, Kamel, je suis très 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 spontanée. Et donc, Spontané, ma tâche à savoir, de ma tardar, de ma l'allergie, etc. Oui. Et toi, Radia, Arfini, la Alik, un an Arfok, de sa. Ok, je me lance. Bon, je suis artiste peintre à la Balek. Et aussi, je suis vétérinaire de formation. D'accord. J'ai aussi un diplôme en biologie. J'en parle pas beaucoup, mais j'ai je savais pas, je pensais que tu avais un diplôme de veto. En fait, il fut un temps où j'ai eu mon bac des premiers coups, ça, j'ai eu l'obsession, j'ai dû avoir trois bacs après. Donc, je voulais faire médecine. Voilà. Et donc, tu es en autobiologie. Voilà. D'accord, d'accord. Mais attends, Kamel, tu as un diplôme biologie? Oui. Ah bon? Oui, j'ai un master. Avec un seul master, ouais. Mais si deux. Non, un seul. D'accord. Et tu es aussi vétérinaire. Je suis en reproduction animale, donc je faisais un master qui se rapproche de la filière vétérinaire. Ah, d'accord. Donc, j'ai fait vétérinaire, mais pour moi, principalement, je suis vétérinaire de formation. D'accord. D'accord. J'en parle pas trop. Et je suis artiste peintre. D'accord. Domaine taille, c'est le réalisme avant tout. Récemment, je me suis convertie à l'art abstrait ou le muralisme. Donc, j'ai découvert les phrases. Qu'est-ce que le muralisme? Donc, c'est l'art de rue, l'art urbain. Donc, ça s'est lancé récemment. Le
hashtag Nelson Bladi, on a, on a travaillé sur les murs, c'était à Rome et tout. C'était la première fois que je touche un mur. Oui. Oui, et puis Moraha. C'était une réussite. Oui. Moraha. Moraha, il y a eu la République avec Nord. C'est là où j'ai travaillé ensemble parce que j'étais la co-organisatrice de la République dans sa deuxième édition. La République. La okay. République. Parce qu'on a dit la République. Non, la République, c'est ça. La République. C'est un grand événement de street art en Algérie. D'accord. Donc, il y aura des fresques, des conférences, des débats, des échanges dans un quartier, dans des quartiers populaires. C'est ça le but. Populaire, un peu historique. La démocratisation de street art en Algérie. D'accord. Et prochainement, ce sera Douira et Tablidan. Ça sera normalement au quartier de Douillet. D'accord. Avec Radia aussi. Oui. Oui. Nour Radia, كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ كيفاش تلاقيتوا؟ كيفاش وليتوا صحاب؟ اسكو من بكري؟ انا ما سمعتهاش الهستوار هذه. يا دو فيرسيون. دو فيرسيون. لا بروميير كنتي ما تحبيهاش. اوكي. تلاقينا في هذا الريونيون باش نديروا ايفينمون اسمه نرسم بلادي، سي سا؟ شحال عندنا هذه واش منعرف؟ سيتي لاني باسي. 19, oui, ça fait pas longtemps. J'étais avec l'association Mosaïque avec toi, j'étais avec eux. Et j'ai vu ça, je n'ai pas fait avec toi, je l'ai fait dans une réunion, mais sincèrement, je n'ai pas fait avec la réunion. Je lui ai dit que je n'ai pas fait avec toi. Parce que je ne parle pas beaucoup. Quand je ne connais pas des gens à quatre... Tu es intimidante, c'est ça? Eh oui, je n'ai pas fait avec toi, je ne sais pas, c'est qu'il a vérifié d'être réservé. Oui. D'accord. Ben, c'est ma meilleure copine, gars. Donc, il y a un magazine trimestriel d'une fois par trois mois. D'accord. Qui concerne l'art, ma chérie, c'est ça, sincèrement. Donc, même film de l'Arabie, l'Afrique, et même ici. Donc, ma gagne, je dis limite. D'accord. Mais comme début, bien sûr, dès les éditions de l'Algérie. Donc, actuellement, on a dépassé ça. Parce qu'il n'y a pas que juste les Algériens, ils te beurrent. Surtout les Marocains et les Tunisiens, ils te beurrent ça. D'accord, vous faites du journalisme. On a des rédacteurs, sincèrement. Le projet qu'on fait, c'est un projet bénévole, c'est ça. D'accord. À la base de ma. Quand ils font le projet, c'est des bénévoles. Parce que vraiment, ils font mon Oui. Donc, on a le magazine, j'ai fait un infographique sur la classification mondiale de l'art. L'architecture, par exemple, l'art plastique, l'art numérique. Un de nos artisanats de l'art, voyage découverte et tout. Donc, il y a plusieurs rubriques. Oui, ils font le oui, ils font vraiment le même. Et en parallèle, c'est une plateforme. Les filles, par exemple, un jeune artiste, mais par exemple, pourquoi pas des expositions, la carrière. On y trouve aussi des portfolios d'artistes. Oui. Voilà, dans la rubrique, il y a un portfolio de se faire connaître. D'accord. Voilà, on va Inch'Allah faire, c'est très bientôt, Inch'Allah, des formations spéciales pour mon chien. Oui. Quel genre de formation? Différents dans l'art plastique par exemple, la peinture et tout, donc la photographie aussi, okay. Les arts visuels, donc, des ateliers pour on fait quoi pas, je sais pas, pour recyclage. Ouais, ok. Oui. Très bien. Et donc, tout le monde en kiff kiff. Donc, je disais, le compte Facebook de Monochrome avait publié une annonce, mais il cherchait des rédacteurs. D'accord. J'avais postulé. Elle m'a appelé le téléphone, Katli, c'est pas toi par hasard, RK, qui a postulé. Parce que c'est moi qui va. Je suis fière de mes articles, je suis
Trailer. D'accord. Je suis à Zemk, elle a reconnu. Donc tu as envoyé un article. D'accord. Donc elle s'est dit c'est moi. Oui. Elle m'a appelé, c'est moi. De toute façon, on a bien ton article, c'est ça. Elle m'a dit, on va la mettre, c'est sonné. Et finalement, Rakablita, rédactrice. Eh ben, d'accord. Tu as jusqu'à aujourd'hui, tu as écrit combien d'articles tout le monde? Bon, l'édition 2, 3, ouais, 4 articles. Donc c'est 4 articles. Oui. Et, tu as parlé de 3, quoi? Sans le 4e, c'était l'article avec lequel j'avais postulé. Ah, ok. Oui. Et les articles à Douma, d'autres différents, Malim? Bon, ok. Un article, le premier TAE, c'était une collaboration, on avait parlé, c'était le dossier à République. Oui, comme j'ai vécu l'événement à République, j'étais la mieux placée à parler. Et donc, j'ai participé à l'article avant. Oui, le deuxième, c'était... Architecture avec Manal Drahi. Ah oui, architecture avec Manal Drahi. Le thème, c'était le vide. C'était par rapport à des architectes qui ont conçu... La thématique de vide. Voilà. Qui conçoivent le vide. Exactement. Oui. Là, ils utilisent le vide, les conceptions de... Dans le thème, l'arabie, ils sont mots que le ferreur. Ça fait dater. Où est-ce qu'il y a la relation avec le mohandis Ali, avec l'architecte Ali? لا لا معناتها واش اسكو هضرتي عليها اسكو هضرتي على شي انا شوازي ان اركيتكت يا شاف روبريك سي سا انا دراني في بارتي دو داكور سي با اون اركيتكت سي ان اركيتكت سي داكور اي دونك جافي شوازي ان اركيتكت كي يوتيليزي لو فيد في لي كونسيبسيون تاعو اي سي كوم سا كو جي ريديجي ان جابوني نو وي داكور وكاينه عيشة. Ah oui, après la troisième édition, je pense. La troisième édition. Je l'ai fait en même temps. Artisanat. Oui, parce que je suis chef rubrique de deux. Je suis chef rubrique de deux rubriques dans Monochrome, artisanat de l'art et art plastique. Donc, avec Monochrome, avec Nord plutôt. Avec artiste marocain, C'est un designer. Designer quoi? Elle fait des trucs en recyclage. Elle fait du design. Ah ok. C'est une femme. Comment ça s'appelle? Aïcha. Aïcha Bouhaj, d'accord. Elle a une marque magnifique de sacs. Elle utilise le concept de recyclage avec les conceptions de prof. D'accord. Elle est artiste plasticienne aussi. Ok. Oui, très de mzef, presque le style tech, parce qu'elle fait les symboles. Très de mzef, elle a les motifs berbères et tout. Voilà, elle est intéressée par les motifs, le symbolisme, tout ça. Elle utilise l'art taha. D'accord. Oui, tu vois, mais les objets taha ont une appartenance au sol taha et tout ça. Ah, surtout d'accord. Les racines berbères. Tu veux dire les objets, donc le design taha, les. Par exemple, elle a fait des tote bags. C'est quoi des tote bags? Les tote bags, c'est les sacs. Donc, à l'Occident, ils remplacent les sacs en plastique. C'est des sacs faits de tissu. D'accord, de d'accord, d'accord. On les réutilise ou en même temps. Ouais, je m'en mélange. Voilà. Les artistes, la mode, les Ahidoka, on conçoit dessus des dessins un peu modernes. Et... Donc, elle a fait ça. Donc, elle a mis elle a fait des dessins modernes sur les tote bags Taoha ou il y a des dessins traditionnels, MSI ou bien. C'est entre le moderne et le traditionnel. D'accord, ça c'est bien. Oui, oui c'est intéressant. Oui. Du coup, vous allez terminer le lien qui fait qu'on peut voir les produits Taoha. Ben oui, oui, il y a les études. Et puis sur la description du podcast, on va mettre son Instagram, etc. Okay. Oui, on va mettre le lien Tani Tamo. Elle a fait un design, un film en groupe. Elle a fondé le groupe. Elle a fait un groupe. Donc, on a quand même, ce sont des designers, ils font quand même ensemble. D'accord. Ça va, ma roue femme, le Hadjali Tajbini, vraiment. Parce que très bien, elle a l'identité africaine et barbare. Ah oui, très bien. Voilà, c'est pour ça. Donc, mais d'une façon très très moderne. Surtout les couleurs. Vraiment, d'après le mélange, t'as les couleurs. Magnifique. Eh bien, j'ai hâte de voir sur Instagram. Oui. Oui, ça c'est intéressant. Et du coup, Rolouli, qui fait la carrière ta comme artistique? Comment ça a été les débuts comme? Est-ce que vous avez passé par des moments
vous vous êtes dit ok manja bait beha ou la kent mlewel c'était évident que vous avez du talent ou bain mlewel billak rahim bait. Alors atayni qolou li surtout les années loulin ou là les mois loulin ou là les semaines loulin qui bditou vous avez quel vous aviez quel état d'esprit kifach kontou tkhammou wach kontou t'imaginer ou trouh ouin kontou t'imaginer ou trouh et est-ce que yani honnêtement vous êtes jeune, vous avez beaucoup de chemin à faire d'income, mais quand même vous avez une certaine carrière. Est-ce que vous disiez en 2020 rakoum rahint lahqou wa rakoum si oui je sais pas qu'on dit qui fait du tout commence par toi Nour. Oui, qu'on dit qui fait du tout. Alors mon histoire avec l'art, j'ai beaucoup d'aide personnellement. Oui, personnellement ça fait vraiment peut-être je dessine dessiner, j'étais en deuxième année je pense, troisième année primaire. Ah d'accord. Qui fait ce gap d'être l'histoire, donc quand il y a une exposition t'as Baya la Rahma, Baya Hidé ou papa Daniel l'exposition t'as quand même des gens mais d'ailleurs l'exposition t'as les tableaux t'as d'accord. Ou avec Durban normalement c'était le 1er juin t'as alors qu'il y a eu les tableaux de Hajjouni Lhal, papa, je l'ai copié ta tableau de Hajjouni Lhal, il y a les papillons, les oiseaux et tout. Je t'y ai eu, je te ressens. Oui. Après, il y a eu le dernier, il y a eu le sens où c'est vrai, il y a eu les oiseaux, les fleurs, les oiseaux, les fleurs. Mais il y a eu le dernier, il y a eu le dernier, mais il y a eu le dernier, quand tu m'endors, je me dis, prends, je ne l'ai pas. Donc, tu voulais vraiment. Mais écoute, c'est rien de dessiner des trucs, mais j'ai jamais pensé que là, nous les artistes, parce que le rêve t'a été pour le futur. Non, tu es avocate. Ou c'est vrai, ça, j'ai fait avocat. Oui, alhamdoulilah, j'ai fait. Mais le dessin après mon master, c'était en 2015, ce titre. 2016, c'était le premier événement taille. C'était à la Sata Touré. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Artistique. Qui fait que tu as fait tu avais quoi comme portfolio pour faire une exposition? Je suis très bien parce que nous sommes des affaires. Tu as fait comment tu as eu l'occasion? Comment tu as eu l'occasion? Comment tu as eu l'occasion? Non, je suis directement à la mairie établie. D'accord. Je suis directement à la vice. Donc, tu as été direct. خلتي ديريكت بعثوك للفيس تاع فيس مار وي ولا تاع كولتور اوكي هضر معايا بطبعه كامل انا عندي عفسه سمحوا لي على لو مو تاع عفسه كاع نقولوها ليسونسيال انا نحب بزاف نضرب القدم جادور تو سكي اركيتكتور اونسيان جادور اوكي الوغ كنت قادره ندير فيلم ضارب بينين باغ اكزومبل دي ميزون دو جان جو سي با مي نو جام تو سكي اركيتكتور اونسيان الوغ رحت وين قالوا لي ما تقدريش با قالوا لي حنا في البيضه واش عندنا صح ما كانوا لي شويه تاعهم قال لك عندك توري تقدر دير فيها سينو لي ميزون جان قلت لهم جي فيت لي ميزون جان باسكو انا وحده ما نحبش سانسيرمون ما نحبش دونك طوني توري صح مالغري توري ماشي سي با سان اسباس نورمالمون بور ديزان سي بور لا بيتور مي انا بركي دخلت ولقيت هذاك التروك هذا توري شنو هو توري سي ان انسيان تياتر تاع بيدا محمد اوكي اوكي فوالا دونك جي اكسبوزي في لا سان تاع توري اه داكور وي وثما سيتي ان 2016 C'était en 2016, février 2016, à partir de 8, de 2 février jusqu'à 8 normalement. Je dors de février. Et quand est-ce que Nafahat a de l'exposition? Ou Nafahat, c'est le premier rencontre taré avec le monde artistique de l'Anafibli. D'accord. Mais c'est trop les bébés, ça. D'accord. Donc tu n'as pas eu beaucoup de difficultés, bêche, le harté, tu exposes. J'ai exposé plusieurs maisons de jeunes, Kamkin, Hakoui, Mars et tout, juste à la Domakan. D'accord. Et après, vraiment, d'autres événements, je ne vais pas oublier. L'où il y a pas l'Anabian, c'était à Dar el-Bey. Voilà, Dar el-Abed. C'est un événement lequel nous sommes Nert el-Bey. Voilà. Oui, j'ai Nert el-Bey. Nert el-Bey, c'est la rue de Bey. Voilà. D'accord. C'est Blida, non? Oui. On a aménagé à Agdes Dignité, Dima, Menzia et tout. Où les gens ont joué dans le monde avec les modèles. Vraiment, c'est un événement. Mais quand je vais l'année pour les médias, quand calligraphe, mais c'est Nibel Abbas, quand il y a des photographes de Alger, des artistes peintres de Alger, quand il y a Mme Blida. Donc, vraiment, c'est un événement collectif, mais quand partout, quand même, j'ai un village, j'ai un Blida. D'accord. Donc, ou hadi haja la hasi pour la première fois on a invité des artistes hakda bnom nom ou jaw lana blida. OK. Je vois oui. Et donc le début de la carrière taak ou la kifach tu t'es lancé dans une vraie carrière artistique, entre khrejti min darak ou rahti bara, où tu peux exposer etc. C'était pas si difficile que ça pour toi. Ma kanch haja bzaf. Parce que là nhab chof, nhab bzaf el medina taak. C'est
c'est pour ça, malgré que j'ai eu des occasions, et c'était en 2017, j'ai jamais pensé que m'exposer dans un musée. D'accord. Oui, je suis qu'une artiste autodidacte, j'ai jamais étudié l'art, sincèrement. J'ai eu l'occasion où j'ai exposé mes tableaux sur le Bastion 23. Donc, ah bah ça c'est bien. Voilà, mais chez Wahdé, bon, j'étais vraiment, bah, d'accord, j'étais chef de projet, sur le calame. Il y a le dialecte algérien. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des films, comme le moustache, comme le sneak, comme Afman Alalou, le calligraphe, comme Juan, le calligraphe, comme Zohar Ben Saddiq, artiste beaux-artiste. كان نوسي بعمر راح ثاني فوتوغرافي بوزاريس روسي كان ثاني من بليدا كما باغ اكزومبل التفاحي فوالا كان ارتست بوزاريس روسي دونك كنا سافا كان كاين سوسي بالجلالي في كاليغراف ما الصحراء صدنا ديك البلاصه اللي ماشي صحراء اكزاكت مي وفيت كنا بزاف سافا الحمد لله دونك من ثم ابخي درت مورا واحد دو ولا تخوا اكسبوزيسيون ما تحبست اكتوالمون مانيش بزاف ما جو با انتيريسي بالاكسبوزيسيون اللي انا نديرهم مي اكتوالمون نعاون لي جون باش يكسبوزي وباش داكوغ لحقتي تعاوني لي جون سافا سيلون كيما يقولو لي كاباسيتي داكوغ با تخي بيان Et toi, Radia, qui fait-ce que tu es une artiste? Qui fait-ce que tu es une artiste? L'identité artistique, etc. Oui, comment ça commence? Comme tous les enfants, je dessinais, je reproduisais les caractéristiques, les caractères plutôt, les dessins animés et tout. D'accord. Déjà, je copiais ma sœur parce que ma sœur, elle le faisait. Elle ta grande sœur. Ok. Donc. Qui m'a coulé à un frère ou à une sœur âgée de Kimawa. Je suivais ma sœur, qui en a des caractères, manga et tout. Même ben, j'essayais de. Juste les caractères, les mangas, ils sont pas normaux. Non, quel manga t'inspirait? C'était quel manga? Il y avait Sailor Moon, il y avait Dollar 2. Au bas, j'essayais de les reproduire, mais de. Fixer les visages de Hamdoulilah. Réparer un peu les. D'accord, d'accord. Ma tête a des traits naturels. Les dessins animés et tout. Ok. Oui. Ou même, j'essaie de faire des dessins animés avec mes cousines. Ma mère, je crois, elle a constaté, parce que ma mère aussi, elle avait un don, le don de dessiner et tout. Je crois, elle voulait me. D'ailleurs, c'est grâce à elle. Elle voulait me pousser à m'améliorer, à améliorer le don taille et en faire. D'accord. Faire, voilà, Hadja Khan. D'accord. Oui, donc une fois à la fac, on ne connaissait pas Bif Bida, qui a des ateliers de dessin. Mais ben, on a découvert l'atelier de M. Irpé, sinon, qu'un d'autres bien avant. L'atelier de M. Irpé. M. Irpé. Je connais M. Irpé. Oui, M. Irpé, Mohamed, c'est un très grand nom de artistique Nabida. D'accord. Le doyen, oui, de l'art Nabida. Oui, Bozariste, là, Nina. Donc, j'ai été chez lui depuis 2008, tel 2016. D'accord. Oui, il y a eu des périodes où je m'absentais parce que là, il m'a dit que je n'ai pas d'accord, etc. Donc, tu travailles à nous. Chaque quand tu travailles à nous, quand tu travailles, c'était comment l'emploi du temps, c'était comment? C'était une fois par semaine. Pour moi, c'était. Entre l'atelier Théo, j'oubliais tous mes soucis. D'accord. D'accord. Alors, je passais c'était 2 heures ou 3 heures à l'époque, mais maintenant, où il m'a inculqué l'art, mais de façon académique. Ensuite, huile, etc. D'abord, en 2016, j'étais au parc zoologique de Tnaglo, je travaillais comme vétérinaire là-bas. Oui, il y a Sabrina Nahab, la présidente de l'association Mosaïque. C'est une amie à ma mère Tani. Je dessinais. Donc elle m'a appelé pour rejoindre l'association. D'accord. C'était pas la présidente à l'époque, c'était Monsieur Alami. Donc j'ai rejoint l'association. C'est par le biais de cette association que j'ai. Ça, c'était 2016. 2016. Ok. J'ai pu participer à des expositions. Depuis 2017, on a la série d'expositions par le mois du patrimoine. On faisait ça à Clinotel chaque année. Et oui, c'est grâce à. Donc Clinotel vous donnait un espace à Agda pour exposer. Oui, Clinotel à Blid, d'accord. Oui, soutenez là les artistes
Oui, ça, ça fait nous plaisir. Nous a fourni l'espace, oui. Oui. Et donc, on exposait l'ando. C'est aussi les phrases qui étaient face à l'hôtel qu'on a peint à l'île. D'accord, d'accord, oui. J'étais là. Oui. Bien sûr, j'ai pris des photos, etc. Ah, ok. Oui. Ensuite... Tu sais, il va faire une boule. في البلاد سي سي ما كنتش نقعد نهار كامل بيان سور انا شفت عليه enfin la nazi c'était 3-4 jours c'était pendant avril c'est ça non mais OK 1 2 3 c'était avant le ban ça m'a tellement pas l'an OK OK oui et donc toutes les que je faisais ça ça me permettait de m'échapper de peindre mes émotions et tout j'étais surtout vétérinaire à l'époque. Une fois que j'avais déposé ma démission au parc zoologique, à un moment, le moment head où je ne faisais rien, ça m'a permis d'améliorer la peinture taille. Donc oui, tu ne faisais rien, mais tu peignais. D'accord. Je me suis consacrée à la peinture là. On a fait dans le Saint-Bladi. J'ai rencontré plus de personnes, de gens. Oui. J'ai découvert beaucoup de styles. Je pense que ça m'a permis de découvrir davantage l'art. D'accord, d'accord. Voilà. Oui. Voilà où est-ce qu'on en est. Bah, c'est très bien. J'ai une question, Tani, pour vous deux. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'art en Algérie? Donc, sans être ni trop optimiste ni trop pessimiste. Bien sûr. Oui, donc l'appréciation de l'art, un des Algériens, un de l'Algérien normal, typique. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que l'Algérien apprécie l'art? Est-ce qu'il arrive à discerner quelque chose d'artistique à quelque chose qui n'est pas vraiment artistique? Est-ce qu'il est prêt à dépenser à l'art? Est-ce qu'il est prêt à acheter des tableaux par exemple, à payer pour aller voir des spectacles? Je sais pas, Tanit, est-ce qu'il y a des difficultés, par exemple, à Samto Hyot, Parafzanka? Donc j'aimerais que vous soyez honnête. Est-ce que vous avez eu des gens Lidia contre vous? Alors, les Makhalaou Kamchbalak Tarasmo? Justement, la femme de Saint-Bladi, surtout étant une femme, je m'attendais. Oui. Voilà, soyons du mot là. Mais j'ai été étonnée, d'accord. La majorité, la grande majorité, okay. Je crois qu'il y a ils nous ont soutenus. Okay. Il y avait même des passants, là, les directeurs bien, comme et tout ça. Et les encouragements. Mais quel est le chef de ton Allemagne? Parce que vous n'avez pas toute la journée de la chance. Il y a ton Allemagne, il y avait le voisinage, on nous préparait le brer. Donc ça faisait plaisir au voisinage ce que vous faisiez. Oui. Des mots positifs. Ça genre, c'est bien. Vous avez tu es d'accord, non? La question t'est actuelle, parce que ma chère. Je suis à Vast, oui, donc je vais essayer de faire le joke d'une façon générale. D'accord. La première des choses, c'est que là, on a quitté toujours l'art fait d'ailleurs, on a l'art fait d'ailleurs. Qui est maquillé là? Bon, on a bien sûr des artistes, on a des créatifs. Blanda Hamdoula, elle est très 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 riche, fait de l'outil. Mais ce que je remarque, il y a Mbab, il y a des places baignées, les filles en bas. Par contre, là, fait galère Algérie, mais chez fait Alger ou la Fouran ou la Fibjel. Tu vois, c'est ça le problème. Belak, je sais pas, peut-être. Où est le problème? Je vois le problème. C'est quoi? Galerie, bah, par exemple, si on parle sur les galeries. Alger, tu auras bien des galeries. J'ai oublié d'un galerie ou d'un package. Alors pour moi, dans le FNN ou CLS, ce ne sont pas vraiment des galeries. Oui. Oui, parce que vraiment, galerie, bah, Mohamed Rassam, Mohamed Abdeltef, il y a même à Alger qui a même des galeries privées. Exactement. C'est des artistes qui ont des espaces. Oui. Oui. Centre commercial. Ah oui, la galerie Babzoua. Voilà. Donc, mais il n'a fait oublier d'un problème. À quel CLS, par exemple, lui a envie d'exposer avec des tableaux de Maïdelk, des trucs de sport, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec. Ça, oui. Pour moi, ça fait pas du CLS. Ça une pas, date. Oui. Voilà.
ماشي كيما دار عبد اللطيف ماشي كيما ماشي غير دار بان كاين بزاف دي غاليري هذيك بلوم ارت فاكتوري اللي فتحت جديده كيما داروا فرنش ارت ديزاين سيت اسمه ليسونسييل فوالا دونك سون بارلي دو بيدا اكزاكتومون روح لبجايه تلقى فريمون تلقاهم اوفر بزاف راهم عندهم لاري تو هنا البروبليم ماشي في الناس الناس نورمال متفتحين تو هاي لا بروف سي نون بلادي ولا ريبوبليك خدمنا بارون دو بري دو دوفر دار اي تو وي خدمنا في ان كارتي بوبولير كاتاستروف ماشي كاتاستروف لو كارتي ايتي سوبوزي اتر مال فريكونتي وي كارتي واه يعني ندير عليه كنا خايفين منه بزاف Mais finalement, Zanqat Sita, elle est معروفه تاع هنا في بليده Zanqat Sita يقول لك واش بيك انت مهبول راح Zanqat Sita exactement en fait oui خدمنا وعجبنا الحال وهذوك الناس كامل وقفوا معنا ونصيبوا صباح كي نصيبوا الماء البيض نتاع الماء محطوط خدمنا في الصيف نصيبوا البيض نتاع الماء والجبل وهاي ساليف وكاين راح يشري لك لي غون كل واحد واش يجيب كاين يجيب لك الخبز كاين يجيب كاين ناس داروا لنا الكسكس وحد اخرين داروا الرشطه ولا غير سانسيرمون ما والحاجه المليحه كامل اللي هي تاع الصح سي كو لي جان تاع الحومه هذوك اللي نقولوا الناس ماشي ملاح هما اللي كوفرينا فيهم دي زارتيست هما اللي جاو رسموا وعاونونا هما اللي ديفوندو عليهم داكا دونك منهم خرجوا دي زارتيست وجاو يا اي با تري بيان راديا احكي لنا على حاجه اللي Honnêtement, je trouve que c'est très important. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Enfin, mais ça vaut pas la peine. Mais c'est important d'en parler. Donc, les prix, tu as les œuvres d'art. Voilà. En tant qu'une artiste peintre, est-ce que tu arrives à vendre tes œuvres? Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion, de ton art? Est-ce que c'est quelque chose, de, même si Damakish l'a donc est-ce que c'est quelque chose qui un jour tu espères te l'arrêter? On a la société algérienne, avec l'économie, les gens qui sont payés, etc. Qui dans l'intérêt à l'art, parce qu'il y a une chose, une différence entre dire les, oui, c'est bien dessiné, on vous encourage, ou là, on a les artistes pour les encourager. Je pense que c'est plus effectif d'acheter ses œuvres. Alors, pour les lignes halal et ranafia, d'après ton expérience. D'après ma petite expérience, parce que durant deux expositions, j'avais participé avec plusieurs toiles. D'accord. Les toiles elles avaient attiré l'attention de certains, des clients potentiels, etc. D'accord. Dès qu'on est arrivé à l'état prix, oui. les personnes avaient des réticences. Bon, Kain qui m'a dit qu'elle est là, elle 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 est là, parce que nous vivons dans une société où il y a des choses qui sont prioritaires par rapport à d'autres et l'art n'est pas prioritaire. Carrément le mec là a pris le retard parce que c'est non mood. Donc il m'a dit Adonès, ça veut dire Adonès, Adonès, financièrement ils sont stables et. Ils ont le temps, collectionneurs, etc. Voilà, exactement. D'accord. Ils confondent, ils n'ont pas de. Maintenant je suis culture. Par exemple, ils confondent un tableau qu'ils achètent, Barra, et probablement c'est un tableau imprimé. Exactement, je ne suis pas sûre. Sure. C'est un tableau imprimé, alors là je ne m'arrête pas là, j'explique. Oui. Voilà, c'est un original, il a été fait 100% par moi, c'est pas un imprimé, c'est pas une impression, c'est voilà combien j'ai mis de temps en fait, c'est comme ça que je réponds. Et finalement généralement, bon, j'explique, mais... Je pense que l'Asda, je suis l'ordre. Oui. Oui. Donc il y a un marché déjà. D'accord. Le marché de l'art. Mazal m'a existé, je suis vraiment fier. Il y a une autre chose. Je ne sais pas si ça arrive à tous les artistes. Si je surestime mes œuvres, mais j'estime que chaque œuvre de l'art a l'histoire. D'accord. Elle apporte des sentiments et tout. Et donc. Même si une personne me présente un prix, je sais pas, intéressant au plus là,
بدابيه لك لابيرسون تاع الفلو داكور لاشيت با بور لو ريفوند ولا بور ان فير حاجه اوكي دونك باسكو اون اوفر il faut qu'elle te parle. Donc pour toi, tes œuvres, elles sont un peu vivantes. Kima, tu donnes pas tes animaux de compagnie à n'importe qui. Ah, oui. Voilà, c'est la même chose pour tes œuvres. Et toi, alors, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Bah, un affaire, il a fait parce que, donc tu n'as aucune ambition au Bush Bear. Voilà, on a fait des designs dans différents pays du monde. Je vous l'ai exposé au musée d'Allemagne. C'est que déjà, quand des grands designers, par exemple, qui m'a mené le Fatmi, voilà, c'est marocain, c'est ça. Oui. Le cofondateur Kam, c'est un bled. Voilà, Mohamed Bouhaj. Donc, on a dit, voilà, mais écoute, elle fait ça, c'est un grand événement. Les Moelfis, c'était la deuxième édition de Taoud al-Walan, on a fait plutôt le musée d'Al-Bardo. Et ça fait le mois de mars, à partir du 27 jusqu'à le 4, je pense, avril. Un grand événement sanitaire, design. Où ça? Au sommet design 2020, biennale algéro-française. Voilà, de design. D'accord, donc tu penses que les événements ils vont être en train de se faire ou de se faire? Ben oui, parce que là, on fait des designers, oui, des Français et des Algériens, et je pense qu'il y a même des participations. Parce qu'il y a tout de suite l'appel aux participants, il y aura même d'autres designers en Chine, en Israël. Et le Hajj c'est genre le concept à Kamel avec le projet, c'est Nadine Atijan, Nadine Kimustapa, c'est ça. Ah, design, voilà. Donc il y a le Hajjal Kibera Kamel, c'est à l'écologie, donc Hajjal Kibera est très intéressante. Et Wahda Ma'ana, on est fiers de Manal Dramé, chef d'orbite d'architecture. Parce qu'il y a l'artiste aussi. J'ai revu chef de rubrique, tu as mon enfant. Il y a la cofondatrice à Five Star et coach, enfin l'essentiel de l'Algérie. L'essentiel, elle était choisie parmi les grands designers qui ont participé. Quand tu as un projet qui est l'écologie, donc voilà. Donc elle va exposer, Inch'Allah, le musée dans le monde, sinon, parce que tu n'as pas fait des accueils. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle va exposer? Normalement le 27 mars, D'accord, le 27 mars. Voilà, à partir du 27 mars. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Donc, des événements en Israël. Donc, par exemple, le festival des créatifs africains. Où j'ai vraiment qu'attendu l'occasion, j'étais la seule Algérienne, j'étais choisie parmi les jurés. Le grand événement des créatifs africains. D'accord. Voilà, donc, des Algériens qui ont des Algériens participants. Et le résultat du concours, la contrepartie Mentawahid qui participait, il va exposer sur les musées à Marrakech. D'accord. Donc, la palmerie par exemple, Marrakech, la Médina et tout. Donc, ça sera super qu'il y a vraiment beaucoup d'Algériens qui vont faire le festival, que ce sera le 16, 17 et 18 avril. À Marrakech. À Marrakech. Voilà. Ok, donc, ça, qu'il y a. On travaille à la République, 3e édition. La République, il y a eu aussi, justement, la Blida, le collectif artistique. Il y a la discipline art plastique. C'est vraiment. Nous essayons de faire revivre l'art à Blida, parce que Blida est riche en artistes. C'était l'exemple. On gagne à Archer. Donc, on essaye de. Récemment, on a une manifestation artistique plastique. Ça, c'est vrai. C'était quand ça? C'était Amlifat. C'était Fissaf. D'accord. Alors, Nas qui a nous jazé, normal. Parce que Nas est acheté au Ferra, il y a un jour de la lettre. Mais moi, j'ai tassé à mon
placé dans les chevals et les musiciens placés dans les instruments de ham. Et on s'est affairé pendant une heure. D'accord. Un spectacle artistique, ils étaient ravis. Okay. Ils étaient ravis, je le dis, de par okay. les contacts. Mais c'était carrément une manifestation. Oui. S'y attendait pas. On n'a pas de pêche. Juste là, comment est-ce que la réaction de Hamd Koul, c'était positif. D'accord. Oui. Il y a même l'événement de ciné. Donc voilà, donc Mouraha, le même contexte, un événement où on a essayé de raconter l'histoire d'Abida et en même temps, dans la même série de faire vivre l'art Abida, d'accord. c'était dans un café-restaurant d'Abida. Et où est le ciné? Oui, c'était intitulé l'histoire de Abida dans un coffin. D'accord. Raconté par Amius Oragi. Oui. Voilà, et ça s'est très bien passé aussi. Ça a d'accord. aussi été bien accueilli. On a passé une semaine, mais intéressante. Oui. Oui. Tu m'as comme mon sourire. Oui. Oui. Donc, merci beaucoup, Nour Radia Ligito. Ça, c'est le premier podcast à Anna. Merci à toi. Merci. Donc, oui. Voilà, ça c'est assez spécial. vous m'avez fait honneur. Merci beaucoup, Eric. On va refaire. Là, c'est un épisode très très court. C'est vraiment un essai plus qu'autre chose. Mais j'imagine que nous allons avoir un jour de soirée à ce moment-là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et à tes comme ça, Alice Matou. Ismaq. Nesli Smaouhtal Doka, bravo. C'est génial. Comme les références, Lisma Atom, on va mettre le maximum de références sur la description. Noro Radia Hini Amnouni. Et puis Kane Google, c'est bien, mais le podcast Hada, il peut y avoir comme Troch Hagda pour aller des informations, que ce soit pour aller à des événements, ou là pour vous aider tout à commencer, ou là à faire évoluer votre carrière artistique. Du coup, merci beaucoup Lisma Atuna, et comme ça, bye bye, au revoir.